J'ai deux jours pour faire un vlog. J'ai rien fait de la semaine. On est jeudi. Aujourd'hui, c'est jour de ménage dans le condo, dans le nouveau condo. J'étais en train de nettoyer la douche, puis vider les poubelles, faire du lavage, tout ça. Fait que ça sera pas comme du contenu extraordinaire. Hier, j'ai essayé toute la journée, de faire mon review de la petite i4K pour enfin mettre ça en ligne. Et puis, j'étais incapable, soit qu'il y avait du vent, soit que le soleil était pas à bonne place, soit qu'il y avait trop de bruit autour, soit que j'avais pas le temps de rien faire. J'ai fait à peu près 15 parcs pour aller m'installer puis pouvoir être tranquille pour faire un review. M'en rends compte, j'ai jamais été capable. Deux jours pour faire le vlog, fait qu'on va faire des affaires plates. Aujourd'hui, je vous fais visiter le condo. On n'ira pas en haut, parce que en haut, c'est un petit peu plus privé. C'est les chambres à coucher. La nôtre est à l'envers. Mais regardez ça, c'est beau, hein? Tiens, on va partir du début. Tiens, quand on rentre ici. C'est grand, hein? Ça, c'est en haut. En haut, il y a trois chambres. Il y a la nôtre, la chambre des maîtres, il y a la chambre des enfants de ma blonde. Ici, il y a le salon. On voit le salon. On va tout installer mes toiles. On va essayer de personnaliser ça un peu. Rendre ça un petit peu plus vivant. Ça, c'est Lily. Dis salut, Lily. Allô, Lily. Lily, 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 Lily. Wow. On ne te voit même pas dans la caméra. Ça, c'est une toile que la mère de ma blonde a faite. C'est super beau. Puis juste en arrière, si je tasse ça, je veux pas la briser non plus. Juste en arrière, regardez ça. Un beau petit foyer. C'est cool, ça, c'est romantique. On va se faire des petits feux. Là, on s'en va dans la cuisine. Ça, c'est la cuisine. Là, faut pas regarder le ménage. On n'a pas encore fini de s'installer. Ça, c'est la cuisine. Regardez comment c'est beau. Tiens, on va aller en bas. Ça, c'est l'accès au sous-sol. Là, faut pas regarder le ménage encore. Une de mes toiles qui est là, on va l'accrocher. Ma blonde n'a absolument accroché mes toiles. Elle les a accrochées. Ça, c'est dans le passage. On est dans le passage. Ici, ici, c'est cool, ça. Un garage. J'ai jamais eu ça de ma vie. Vous me verrez plus déneiger. Ben, en fait, oui, parce que il y a à peu près juste l'auto de ma blonde qui fait ici. La mienne va rester dehors pareil. Ça, c'est un atelier. Là, il est tout à l'envers. Mais, dans les jours qui vont suivre, je vais tout ranger ça. On va s'installer comme il faut. Je vais pouvoir bricoler. Je vais pouvoir me patenter des bidules en palette. Je vais peut-être me faire un petit desk. T'es en train de négocier avec ma blonde. Me faire un petit bureau dans la chambre à coucher. Pour pouvoir mettre mon laptop. Pour pouvoir travailler dans la chambre à coucher. Mais elle ne tripe pas sur les écrans ouverts quand elle s'endort. Puis là, ben aujourd'hui, c'est la journée de lavage. Grosse journée de lavage. Puis ça... Là, on s'en va. Ça, c'est la chambre de bain. Juste à côté de mes studios. Ça, c'est les studios de Bega Studio. Les studios de Yann Thériault. Regardez comment c'est vaste. Belle grande chambre. Puis regardez ici, mon petit spot. Ma stream machine. Ma station de montage. Et puis mon faux mur de moniteur. Comme Case Nightstat. C'est cool, hein? J'aime bien ça, je rêvais de ça. Mais ça se peut que j'en fasse un autre, celle-là, ça se peut que je la vende. Puis ça se peut que j'en fasse un autre. Là, aujourd'hui, j'ai aussi plusieurs commissions à faire. C'est vraiment une grosse journée. Une grosse journée bien occupée. Je pensais avoir rien à faire. J'ai dit, ah, ça va être cool, je vais pouvoir vlogger, parler de tout et de rien. Mais en fait, c'est comme, il va falloir que je vlogue à travers les tâches ménagères, les commissions. Aïe, 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 quelle belle journée, ça fait genre 24 dehors, on le mérite, ça fait plusieurs jours qu'il mouillait. On va essayer de s'installer quelque part, puis après ça, on va jaser, on se trouve une petite place tranquille à l'abri du vent, pour le micro. Il y a quelques semaines,
J'ai reçu, j'ai déballé et j'ai testé ce petit appareil-là. C'est un petit appareil que je me suis procuré. C'est la Yi 4K. Je vous ai dit que j'en ferais une critique, que j'en ferais une review. Eh bien, voilà. Ça fait déjà quelques semaines que je l'utilise. Je suis donc en mesure de vous donner mes appréciations. Je me suis fait un petit cahier. Premièrement, je veux commencer par vous expliquer ma démarche. C'est simple. Il y a quelques mois, quand j'ai commencé à vlogger, je me suis procuré une DSLR, une grosse caméra. Tiens, je vais la prendre en image. Je me suis procuré cette caméra-là. C'est une T5i que j'adore, qui va super bien, sauf qu'elle a deux désavantages. Premier désavantage, l'autofocus est atroce. Juste en vous parlant, je suis à peu près certain qu'elle perd son focus, qu'elle revient, qu'elle pompe beaucoup. Deuxième désavantage, c'est que souvent, quand je vais dans un événement, quand je suis parmi des gens, c'est encombrant et puis c'est intimidant pour les gens qui sont autour. Fait que je cherchais une solution pas chère que je pouvais traîner dans ma poche. J'utilisais beaucoup mon téléphone, mais dès qu'il se met à sonner, ça interrompt le tournage et puis ça me fait. En googlant, j'en suis venu à l'idée que peut-être que je pourrais vlogger avec une petite action cam. C'est tout petit, c'est polyvalent, ça se glisse dans une poche. Utiliser ça dans à peu près toutes les situations. Le modèle que je me suis procuré, c'est la Yi 4K. Ça fait pas longtemps qu'elle est sortie et puis elle a une super bonne réputation sur Internet. Je suis allé voir les images avant de l'acheter et puis j'étais séduit. On va s'en parler un petit peu. Je vais commencer par le boîtier. Il faut que je vous montre ça. On va virer la caméra de bord. Comme vous pouvez voir, je sais pas s'il va faire son focus. Allez, fais ton focus. Eh, tabarnouche, que t'as de la misère, toi. C'est vraiment tout petit. Regardez la grosseur de ma main. Ça, c'est la caméra. Ça tient vraiment dans la paume d'une main. Le boîtier est assez simple. Sur le dessus, on a un petit haut-parleur ici qui sert à peu près à rien parce que le son n'est pas super bon. On a le petit bouton pour l'actionner, pour enregistrer. Et puis, chaque côté du bouton, on a les micros. Ça, c'est un gros downside parce que le doigt, il manipule beaucoup ce bouton-là, donc ça fait du bruit dans les micros. Sur le côté, on a une prise mini USB. Ça sert à charger la caméra, mais ça sert aussi à transférer le contenu de la carte au lieu de tout le temps sortir la carte, qui est juste ici avec la batterie. La carte est juste là, c'est une carte micro SD. La batterie est juste ici. Parlant de batterie, Xiaomi se vante que la batterie dure 2 heures. Eh bien, ils mentent pas. Ça dure vraiment 2 heures. J'ai enregistré des épisodes complets de mon podcast. Et puis, j'ai jamais manqué de batterie avec ça. En arrière, on a un écran touchscreen. Et là, j'ai été ravi de ça. L'écran touchscreen s'opère et se manipule aussi efficacement que n'importe quel téléphone intelligent. Ça fonctionne vraiment, vraiment super bien. Pour l'interface maintenant, j'ai rarement vu une interface aussi facile d'utilisation, aussi efficace que ça, aussi intuitive que ça. On sait tout de suite où est-ce qu'on doit appuyer pour se rendre dans les menus. Ici, à gauche, on peut aller écouter la dernière vidéo qu'on a faite. En bas, au centre, on peut choisir ce qu'on veut faire avec la caméra, c'est-à-dire des photos en rafale, time-lapse vidéo, slow motion, des time-lapse photos. On peut le mettre en loop comme les dashcams. Photos et vidéos, ça, je ne sais pas à quoi ça sert. On peut même aller live sur Internet. La caméra est dotée du Wi-Fi. On peut la relier avec une application qu'on télécharge, soit dans iOS ou dans Android. Maintenant, parlons de l'image. L'image est incroyable. Ça va de tous les formats. Tu as 480p jusqu'à 4K. Parmi tout ça, tu as le choix de plusieurs champs de vision. Tu as Narrow, qui est un champ de vision un peu plus serré. Tu as Medium, qui va prendre un petit peu plus large. Tu as Wide, qui prend vraiment large. Et tu as Ultra, qui prend vraiment tout le capteur 4K et puis qui le ramène dans le format de ton choix. Parmi la plupart de ces formats-là, tu peux aussi appliquer un Lens Correction, c'est-à-dire qu'il va corriger l'espèce de rondeur de l'image, l'espèce d'effet de fisheye. En basse luminosité, j'ai cherché sur Internet, il n'y a pas beaucoup de caméras qui performent bien. Il faut vraiment aller dans les caméras haute performance. Mais quand même, celle-là m'a surprise. Paraît même qu'en basse luminosité, elle performe mieux que la GoPro Hero 5. Selon le format de tournage choisi, il y a un paramètre que tu peux changer qui supposément améliore l'image en basse luminosité, mais j'ai pas réussi à avoir vraiment de grandes améliorations. Pour ajuster les couleurs, il y a deux modes de couleurs, Yi Color
qui est comme un preset vraiment basic, vraiment de base. Ça ne casse pas la tête, ça va chercher des belles couleurs saturées, des belles couleurs vivantes. Ou sinon, il y a flat. Si, comme moi, t'aimes ajuster et corriger toi-même tes couleurs, tu peux ajuster l'ISO. Ça part de 400, ça va jusqu'à 6400. Et il y a une option pour stabiliser l'image pendant qu'on tourne, un stabilisateur d'image. Il fonctionne super bien. Quand on marche, on voit vraiment la différence. J'ai fait le test. Dans certaines situations, ça enlève pas les gros mouvements, mais ça enlève les petits shakes qu'on voit pas nécessairement, les petits shakes naturels. Finalement, on y va avec le son. Le son, c'est vraiment là où est-ce que cette caméra-là perd beaucoup de points. Le son est atroce. Alors voici un test de son pour la Yi 4K. Je suis entouré de camions, il y a vraiment beaucoup de son d'ambiance, il y a un petit peu de vent, ça va peut-être vous donner une idée. Ça, c'est le son qui sort directement de la caméra, je ne l'ai pas modifié, je ne l'ai pas ni augmenté, ni égalisé. Il n'y a aucune dynamique au niveau des basses, c'est super facile de la faire distorsionner. Moi, avec mon gros rire fort, je la fais distorsionner à chaque coup. Il est là. Salut Alexandre, comment ça va? Tu peux choisir le volume entre high ou low, mais même à low, ça prévient pas la distorsion dans le son. Le son est vraiment atroce et ça, on peut pas le blâmer sur le fait que c'est une petite action cam. J'en ai déjà entendu des petites action cam qui sonnaient vraiment beaucoup mieux que ça. Un point positif quand même, c'est que Xiaomi font des mises à jour vraiment fréquentes sur ces appareils-là. Je l'ai depuis à peu près 5 semaines et le fabricant m'a déjà poussé 3 mises à jour du firmware de ce petit appareil-là. Et à chaque mise à jour, il y a des nouvelles options, il y a des corrections. Je ne sais pas si un jour ils vont faire de quoi concernant le son, mais à ce niveau-là, je dois applaudir le fabricant qui n'abandonne pas ses clients une fois qu'ils ont acheté l'appareil. Dernier petit point positif, les accessoires. À part le boîtier étanche, tout le reste des accessoires sont compatibles avec les accessoires de GoPro. Donc, si vous avez déjà une GoPro, vous avez une tonne d'accessoires, vous n'avez rien à changer, juste à vous procurer le boîtier étanche et ça va fonctionner avec tout le reste de vos accessoires que vous avez acheté pour votre GoPro. Un autre point positif, en dessous, il y a ce petit trou-là. C'est pas toutes les petites action cam qui ont ça. C'est vraiment pratique. Je suis pas obligé de la mettre dans son boîtier étanche pour lui visser un trépied. Overall, est-ce que ça vaut la peine d'acheter cette petite caméra-là pour vlogger? Moi, je dis oui. Comme caméra d'appoint, c'est extraordinaire. Elle fait des belles images, elle est pas chère. Tu peux faire à peu près tout ce que tu veux avec ça. Tu peux faire des time-lapse, tu peux faire des photos, tu peux t'en servir comme dashcam. Tu as une tonne d'options, une tonne de formats, une tonne de paramètres que tu peux ajuster à ton goût. Et si tu te connais en montage, tu vas être capable de corriger le son et en faire de quoi de potable. Moi, je l'adore, je la traîne tout le temps avec moi, même que ça tape ses nerfs de ma blonde quand elle me voit avec ma petite caméra. Elle sait que je m'en vais vlogger. C'est la Xiaomi Yi 4K. Si vous êtes patient, attendez le temps des fêtes. D'après moi, elle va tomber en spécial parce que déjà, Xiaomi ont sorti une gamme plus haute qui est la Yi 4K Plus, qui a un petit peu plus d'options. Mais vraiment, ça vaut la peine. Bon! On retourne à la maison, on a des petites commissions à faire. C'était-tu cool? J'avais-tu de l'air professionnel quand je parlais de ça? J'avais-tu de l'air d'un vrai gars qui fait des reviews? Je vais en faire plus parce que je vais recevoir des bebelles gratuites!
Et si tu t'y connais en montage, t'es capable de ramener le son à quelque chose. Et si tu t'y connais en montage, Et si tu t'y connais en montage, tu vas être capable de...